inviter le pasteur bien venir. And I want to invite the pastor to come. Flattered by your welcome. Rempli de joie. Filled with joy. Je me rends compte que je ne suis pas étranger. I just realized that I'm not a stranger among you. Je suis vraiment dans la famille. Amen. I'm really in the family. Je voudrais commencer par vous remercier. So I'd like to start with thanking you. Parce que dit-on, la chair est chair. Because as I say, the flesh is flesh. The pulpit is flesh. La chair est chair. The pulpit is ça, flesh. Ça dit que ça a de la valeur. It is to say it has value. Et qu'on ne peut l'offrir qu'à des gens qui sont chers. And we can offer it to people who are expensive because the pulpit is expensive. La chair est chair. The pulpit is expensive. Elle ne peut être offerte qu'à des gens qui sont chers. Can be only offered by the people, to people who are expensive. Donc, le fait de m'accorder l'espace pour parler de Dieu ce matin. The fact that you give me an opportunity to speak of God. Prouve à suffisance la confiance que vous me faites. It's proving the confidence and trust that you put in me. Et que finalement, je suis cher pour vous. And finally, I am expensive to you. Pour cela, je tiens à vous dire merci. And dear to you, so I would like to thank you. For that. Merci au pasteur Goldie Francis. Thank you for the pastor Goldie Francis. Plusieurs prédicateurs, many preachers, prétendent que, pretend, en venant à Jésus, by coming to Jesus, les choses deviennent simples et faciles. Things become easy and il n'y a plus d'efforts à fournir. And there's no more. On ne souffre pas. We do not suffer. Quand on vient à Jésus, when you come to automatiquement Jesus, nous avons le mariage. Automatically we have quand marriage. On vient à Jésus, when we come to nous Jesus, avons les enfants. We have children. Quand on vient à Jésus, when we come to Jesus, nous avons le travail. We have work. La réussite est là. Success is there. Et cette façon de présenter Jésus fait qu'aujourd'hui, make things today, la bonne message sur Jésus that the good message of Jesus a difficile à passer. Has hard time to be understood. Il y a même d'autres. There are even others. À cause de cette image présentée sur Jésus, because of this image of Jesus that they present, n'étant pas convaincus ou satisfaits quand ils viennent à l'église, have you not been convinced or satisfied when they come to church, ils se décident de ressortir. They decide to go out of it. Simplement parce qu'ils n'avaient pas été avertis. Simply because they were not warned. Que si vous acceptez de suivre Jésus, when you accept to follow, vous serez obligé de porter votre croix. You'll be obliged to carry your cross. À notre thème concerning our theme, la providence divine dans les déserts. Divine provision in the wilderness. Dans les deux textes, nous nous rendons compte in the two texts we realize qu'il y a l'intervention divine. There is a divine intervention. C'est Dieu qui intervient. It is God who intervenes. D'un côté, il intervient par Moïse. In one hand, he intervenes through Moses. De l'autre côté, in the other hand, c'est Jésus lui-même qui intervient. Jesus Christ himself who intervenes. En qualité de Dieu. As God. Dans Psaume 145, verset 9. In Psalm 145, verse 9. Nous comprenons la providence divine. We understand that the divine provision, comme le soin que Dieu accorde à tout, à ses œuvres en fait. Is the care that God brings for all His work. C'est le soin que Dieu accorde à la création. It is the care that God brings for the creation. Ce matin nous sommes là. This morning we're here. Parce qu'il y a la providence divine. Because there is a divine provision. Le souffle de vie. The breath of life. Quand nous parlons de la providence divine dans les déserts, we'll understand when we speak about the divine provision, même là où il n'y a pas de vie, and even where there is no life, la providence est là. The provision is there. Dieu est capable de pourvoir. God is capable of providing. Même là où il est impossible d'agir. Even in the place where it is impossible to do any action. Si
tu vis un désert, if you live a desert in your life, tu vois qu'il n'y a plus de vie en toi. Thinking that there is no life in you, il n'y a plus de possibilité de vivre. And there's no possibility of living. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire. This morning, the Lord is telling me to tell you. Qu'il est capable. That he is able. De rendre ton désert. To make of un endroit vivable. A living place. Nous sommes en face de deux groupes. We are before two groups. Qui bénéficient de la grâce divine. Who are taking advantage of the divine grace. D'un côté avec Moïse. In one hand with Moses. Le peuple qui était sorti de l'Égypte. The people who came out of Egypt. De l'autre côté dans Jean. In the other hand in John. Là d'ailleurs, le peuple n'avait rien dit. There, people didn't ask anything. Ils ont eux aussi bénéficié de la grâce divine. They benefit. The grace, the divine grace. Les deux groupes, the two groups, ont mangé le pain. They ate bread. On nous parle du pain. Speaking about bread. Et dans la Bible, quand on nous parle souvent du pain, and in the Bible, when we is being spoken about, c'est en rapport avec la parole de Dieu. It is with regard to the word of God. Ils ont mangé le pain. They have eaten bread. Et en scrutant le texte, and while analyzing and understanding the text. Scripture. Le juif de l'autre côté, the Jews, avec Moïse, with Moses, ils ont bénéficié de la manne. They benefit le pain qui était descendu du ciel. The bread that came out of from heaven. Et avec Jésus, and with Jesus, ils ont bénéficié de pain d'orge. They benefit a barley bread. Beloved, nous devons comprendre ceci. We have to understand this. Que la parole de Dieu, that the word of God, est accessible, is accessible à tout le monde, to everyone. Devant Dieu, before God, la parole qui est annoncée, the word that is being announced, est égale à tous. Is equal with everyone. Elle est accessible à tous. Accessible to everyone. Sans distinction de race. Without distinguishing anyone. Il n'y a pas de niveau d'études. There's no any level. La parole de Dieu est accessible à tous. The word of God is accessible to everyone. La parole de Dieu c'est le pain d'orge. The word of God is the bread, the barley bread. La parole de Dieu c'est la manne. The word of God is the manna. Accessible à tout le monde. Accessible to everyone. Il n'y a pas d'effort à fournir pour There's cela. No way to make effort to get it. Et c'est très important. And it is very important to know. Les points de divergence. The difference. Moïse donne le pain. The Moses gives bread. Jésus donne aussi le pain. Jesus gives bread as well. Le pain de Moïse. The bread of Moses. C'était un pain. Was a bread. Que Moïse avait donné par l'intermédiaire. En fait, il n'était qu'un intermédiaire. That Moses was just a mediator, an intermediary. Parce qu'en lui-même, because within himself, il n'avait pas la capacité. Bien aimé, beloved, la Bible dit, the Bible declares, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Cursed is the man who put his trust into man. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Cursed is the man who put his trust in man. Ce que l'homme peut te donner aujourd'hui, what man can give you today, ne saura te satisfaire complètement. Will not be enough to satisfy you completely. Nous devons toujours tourner les regards vers l'Éternel. You have to cast your sight. Car ce que lui donne, because satisfait totalement. Because the things he gives satisfy fully. Moïse a donné le pain. Moses gave bread. Et Jésus a donné le pain. Jesus gave also bread. Pour voir le pain que Moïse avait donné. You see, the bread that Moses gave, ça contenait quoi? What was it containing? Et le pain que Jésus a donné, and the bread Jesus gave, contenait quoi? Containing what? Moïse avait donné un pain. Moses gave a bread. Après que le peuple ait exprimé le besoin. After the people expressed the need. Mais ce besoin avait été exprimé avec violence. But his need was expressed with violence. Et murmure. And murmuring. Exode 16, verset 2. Exode 16, verse 2. Et verset 7. And verse 7. Mais de l'autre côté, but in the other hand, le peuple avait aussi exprimé. People also expressed le besoin. The need. Mais ce besoin avait été exprimé par une attitude de silence. But this need was expressed with an attitude, an attitude of silence. Ils n'ont pas fait entendre la voix. They didn't make their voice to be heard. Bien-aimé, beloved, cherchons à manger le pain de la compassion. Let us seek to eat of the bread of compassion. Avec
avec Moïse, on one hand with c'était Moïse, le pain de l'insatisfaction. It was a bread of unsatisfaction. Nombre 11, Book of Numbers, chapter 11, 4 à 6. 4 to 6. Ils ont commencé par dire nous avons besoin de pain. They started by saying we need a bread. Mais dans Nombre 11, but in Numbers chapter 11, they said. Depuis qu'on a commencé à manger ces pains. Since we start from the time we started eating this bread. Comment changer goûter? Can we change? Amen. Eat something else. Mais que ça change quand même. C'est pas les pains, les pains, les pains. But let me change a little bit. On a bread, bread today and tomorrow and forever. Ça ne passe plus. It is no more destined. Donc insatisfait. It's unsatisfied. Alors qu'ils avaient réclamé les pains. But they claimed for bread in the first place. Mais voilà, avec Jésus. But behold, with Jesus. Le pain de la satisfaction. The bread of satisfaction. Dans Jean chapitre 6 verset 12. John chapter 6 verse 12. Le peuple après avoir mangé. People after eating. Rassasié. Satisfied. Ils disent. They say. Celui-ci. This one. Est vraiment le prophète. He is really the prophet. Amen. Rassasié. Satisfied. À la fin ils disent. Il est le prophète. Pour dire. He is truly the prophet. Nous sommes satisfaits de son service. This is to say we are satisfied of his wonders. Je voudrais conclure, bien aimé. I'd like to conclude. Le message. And sisters, the message. Dieu est capable de pourvoir. God is capable of providing. Même là où nous croyons que ce n'est pas possible de recevoir quelque chose. Even in the situation, even in the place where we believe that it's impossible to receive something. Mais seulement nous devons nous assurer ou nous rassurer que nous sommes bel et bien dans sa famille. But the only thing we have to do is to realize we are truly of his family. La soumission et la dépendance au Seigneur. The submission and dependence to the Lord. Nous devons nous soumettre. We have to be submitted to him. Confiance en Dieu. Put your trust in God. Quel que soit les lieux, regardless of the place, le moment, the moment, les circonstances que nous traversons, that you're going through, l'intérêt de Dieu doit primer. The interest into God tout has, pour tout. Has to be number one in everything, in all and all. Avec Moïse, with Moses, le pour le peuple, for the people, c'était leur intérêt avant tout. Was the interest first of all. Mais avec Jésus, but with Jesus, la foule. The multitude. C'était l'intérêt de la parole de Dieu. It was interesting to the word of God. Quel est ton cas ce matin? What is, in which case are you today? Est-ce que Dieu is God est en première position? In the first position. Ou c'est plutôt tes préoccupations? Or is it your interest? Que Dieu bénisse sa parole. May God bless you. I want you to raise up your voice in prayer. J'aimerais que tu lèves ta voix en prière pendant quelques temps. And say, God, we're not going to rebel against you. Et dis, Dieu, nous n'allons pas nous rebeller contre toi. But we are going to get into your compassion. Mais nous allons entrer dans ta compassion, ta miséricorde. Don't feed us with the bread of rebellion. Ne nous nourris pas avec le pain de la rébellion. Et nourris-nous avec le pain de la compassion, de la miséricorde. You know what is best for us. Tu sais ce qui est avantageux, meilleur. You know what is good for us. Tu sais ce qui est bon pour nous. We just don't want to demand anything from you. Nous n'avons pas à te demander des choses. We don't want to come for anything from you. Nous ne voulons pas te réclamer des choses. We just surrender our needs before you. Et nous abandonnons nos besoins vers toi. And say, God, have compassion. Dieu ait compassion de nous. We're going to pray. We're going to pray for India. Nous allons prier pour l'Inde. It's the 70th Independence Day. C'est le 70e anniversaire. We're going to pray for peace and joy. Nous allons prier pour la paix et la joie. We're going to pray for upliftment and prosperity. Prier pour l'élévation et la prospérité. We're going to pray for salvation. Prier pour le salut. Let the gospel be spread throughout India. Que l'évangile soit prêché dans every nook and the corner of India.
et que tous les coins et recoins de l'Inde, cities, villages and towns, les villes, les cités et les villages, the gospel has to reach, que l'évangile atteigne ces endroits, people have to be saved, les personnes doivent être sauvées, they need to know the true living God, ils doivent connaître le véritable Dieu. Let's pray to God. Prions à Dieu. In the 70th year of en ce 70e anniversaire de l'Inde, let there be a great spiritual freedom. Qu'il ait une libération spirituelle. Let there be a great spiritual freedom in the land. Une libération spirituelle dans le pays. Let there be an encounter of God. Et qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Let there be a power of God which will manifest. Que la puissance de Dieu se manifeste. To lead people to salvation. Afin de conduire les personnes au salut. Let's pray. Let's pray for the land. Prions, prions pour l'Inde. A beautiful culture. Prions vers Dieu pour l'Inde. Different culture. Une culture différente. Different culture, caste and creed. Que le salut aussi se répande sur cette nation. Seigneur, couvre ce pays de ton sang. Seigneur, protège ce pays. De tous les plans stratégiques du diable. Couvre tes enfants, Seigneur. Je te recommande l'homme de Dieu entre tes mains. Merci de l'avoir envoyé en ce lieu. Seigneur, je prie pour sa famille. Je prie pour son ministère. Seigneur, bénis-le. Élargis-le. Multiplie-le. Augmente-le. Dans tous les domaines. Seigneur, je le bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction d'El Bethel repose sur lui. Qui voit avec ses yeux les merveilles que Dieu fera dans sa vie. Ouvre de nouvelles portes. Ouvre de nouvelles dimensions.
dimension, de nouveaux niveaux, so you can walk in those dimensions, afin qu'il puisse œuvrer dans cette dimension from love, et recevoir de ta part et recevoir et servir au peuple. Je bénis sa femme au nom de Jésus. Je bénis ses enfants au nom de Jésus. Qu'ils soient une bénédiction. Qu'ils soient une bénédiction to everyone and everywhere they go. Pour toutes les personnes et pour partout ils iront. Nous recommandons sous ta grâce, Père. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, nous avons ici. Everyone shall allow nous disons tous à haute voix. Amen.